Bonjour, chers amis. Nous allons commencer la forme 74 de Tai Chi Chuan avec la première partie. Et voilà le mouvement d'ouverture. Nous allons transférer le poids, tourner le pied droit, décoller le pied gauche, avancer. Et en tournant vers la droite, vers l'arrière, nous allons descendre le pied, revenons. Nous descendons le bras droit et avançons du côté droit. Nous allons fermer le poing, descendre dans la main gauche, soulever et relaxer en descendant. Voilà le premier mouvement, le guerrier de Bouddha. Par la suite, nous allons tourner vers la gauche, soulever le bras droit. Descendons le bras droit, nous allons glisser le pied droit plus loin latéralement, croiser les bras, transférons le poids à droite. Revenons à gauche, nous allons tourner les bras et de nouveau déplacer le poids sur le côté droit. Descendons le bras droit et commençons le quatrième mouvement, 6 blocages et 4 fermetures. En tournant vers la gauche, transférons le poids une fois, deuxième fois en tournant le pied gauche. Nous allons approcher, ici, et commençons le simple fouet. En tournant, nous allons soulever la main droite avec les doigts approchés. Tournons vers la droite, nous allons soulever le pied gauche qui glisse latéral. En descendant sur le talon, transférons le poids. Par la suite, revenons à droite, nous allons soulever la main gauche et nous allons transférer légèrement le poids à gauche. Ouvrons les bras et revenons centrés. Le poids est 60% à gauche, 40% à droite. Tournons le pied gauche et en tournant le pied droit sur le talon, nous allons avancer. Répétons le mouvement, le guerrier de Bouddha. Nous allons tourner vers la gauche, soulever le bras droit, reculer une fois du pied gauche et deuxième fois le pied droit. Et voilà la grue blanche, déploie ses ailes. Tournons vers la gauche, tournons le pied droit, nous allons glisser le pied gauche pour passer le pas en diagonale, le pas oblique. Donc on descend la main gauche, par la suite c'est le bras droit qui suit, en tournant le pied droit, nous allons pencher et revenons, ouvrons les bras, réajustons la position du pied. Et voilà le pas en diagonale. Approchons les mains, ouvrons les bras, transférons le poids en tournant le pied gauche, nous l'approchons et embrassons le genou. Allons tourner vers la droite, avançant du côté gauche, tournons à gauche, avançant du pied droit sur le talon. Et par la suite, répétons le pas oblique, le pas en diagonale. Avec le pied gauche, descendons la main gauche, la main droite, nous allons approcher les doigts, remonter, ouvrons les bras et descendons. Approchons les mains, nous allons ouvrir les bras, embrasser le genou et pousser. On tourne, répétons les deux pas légers. Pour passer au coup de poing, en dessous du cou, nous allons ouvrir les bras, nous allons fermer le poing, tourner et donner un coup de poing. Voilà. Nous allons ouvrir la main droite, on va tourner légèrement le pied gauche, soulevons le bras droit, approchons le pied droit pour répéter le guerrier de Bouddha. Encore une fois, de côté droit, nous allons lâcher le côté droit. Regardons à gauche, par la suite à droite. Nous allons ouvrir les bras et en déplaçant le pied droit, nous allons croiser les bras. Voilà la fin de la première séquence. Approchons le pied,
Maintenant, nous allons voir la démonstration du côté latéral. Donc, partons avec le simple fouet. Déplaçons le pied gauche. Une fois, revenons vers la droite. Nous allons soulever les mains. Nous allons pousser avec l'épaule gauche en ouvrir les bras. Et le simple fouet. On va descendre la main droite en tournant. Tournons le pied gauche. Et nous allons avancer du côté droit pour répéter le guerrier de Bouddha. Soulevons la main, lâchons, descendons le poing dans la main gauche. Et en tournant vers la gauche, nous allons soulever le bras droit, reculons côté gauche, côté droit, et nous allons ouvrir les bras. Voilà, c'est ton tour, une fois, deux. Nous allons soulever le pied, le glisser. Et en ouvrant les bras, voilà le pas oblique, le pas en diagonale. On approche les mains, on décrit un grand cercle. On tourne le pied gauche, on l'approche pour embrasser le genou. Continuons avec les deux pas légers et répétons la séquence. Côté gauche, côté droit. Encore une fois le pas oblique. La répétition qui commence avec le bras gauche, suivi par le bras droit. Ouverture des bras, relaxation des hanches et des épaules. En descendant, continuons avec embrasser le genou. En ouvrant les bras, nous transférons le poids sur la jambe droite, approchons le pied gauche. De nouveau les deux pas légers. Une fois, côté gauche, côté droite. Et maintenant la transition pour le coup de poing. Nous allons tourner, approchons le pied droit et répétons le guerrier de Bouddha. En soulevant le côté droit, nous allons lâcher, tournons la tête, gauche-droite. Et nous allons glisser le pied, croiser les mains. Voilà la première séquence du 74 Skill Challenge. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une belle journée.